de tout le monde, c'est sous les 100 trophées. On se retrouve aujourd'hui pour se faire American Muse Amusement Tribute pour se faire la deuxième quête photo. Drapeau américain, photographier une Ford devant le drapeau américain au poste de police de Waiwa pendant l'après-midi. Donc on épingle. Donc le véhicule passe une Ford après. Donc moi j'utilise la Ford Mustang Shelby GT500 Tribute Edition. Mais vous, vous utilisez n'importe quelle voiture Ford. Ouais, ouais c'est ça, c'est vraiment n'importe quelle voiture Ford. Donc dès que vous avez une Ford, vous voyez, hop, c'est bon. Donc moi je me téléporte ici, mais vous, vous êtes à partir de maintenant, faut faire. Donc Waiwa se trouve juste ici, vous voyez. Et ben en fait, c'est pas compliqué, le poste de police hein, se trouve juste ici. Vous voyez, juste là. Vous voyez la course qui est ici, qui s'appelle Pure Performance. Et ben là, vous voyez la course Pure Performance. Et ben en gros, on tourne la caméra comme ça. On zoome. Et le drapeau américain se trouve là. Donc il faut faire une photo en prenant ce drapeau là en photo. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Hein. Donc Waiwa se trouve juste ici. Alors je vais vous dire un petit peu mieux de comment on va trouver Waiwa. On va déjà au centre de la map. Vous voyez, on va au milieu de la map de ce compte. En fait, c'est écrit centre. À partir du moment où vous voyez le mot centre, vous allez au nord. Hein, vous voyez, ensuite on trouve Waiwa. On trouve la course qui est ici, qui s'appelle Pure Performance dans Liberty Walk. Et donc, vous allez un peu à gauche comme ça. Là, on tourne la caméra tout doucement comme ça. On zoome tout doucement. Et là, vous avez votre drapeau. Avec la quête photo. Voilà, c'est ici qu'il va falloir faire. Donc moi, le trajet, bah, il est un peu long. Bah, c'est normal parce que je pars toujours et systématiquement du conteneur de la playlist hein, pour faire une petite vidéo balade. Alors oui, c'est pour faire à la fois une petite vidéo balade et à la fois pour faire la quête photo. Comme j'ai dit, en fait, c'est vraiment pour faire deux vidéos en une. C'est-à-dire, je vous montre à la fois comment faire la quête photo et je vous montre aussi à la fois eh ben, une petite balade sur The Crew Motorfest. Parce que oui, sur The Crew Motorfest, il n'y a pas énormément de balades à faire, mais l'avantage, étant donné que la map de The Crew Motorfest va s'agrandir, ça va me permettre de faire de nouvelles destinations vidéo balade. Quand j'aurai plus de vidéo balade à poster sur The Crew Motorfest avec le principe actuel, eh ben, on commencera l'autre nouveau projet balade. Et du coup, on pourrait se dire, mais combien de temps ça va durer du coup? C'est quand qu'on va bah, finalement faire des vidéos balades sur le nouvel map, l'extension, enfin, qui sortira en novembre. Alors ça, ça pourra jamais sortir en novembre, étant donné que forcément, tant que, voilà, là, je suis actuellement sur cette sur ce projet balade. Donc l'autre projet balade, bah, je sais pas, ça sera peut-être quand en 2000, ça sera en 2025, hein. Mais ça sera peut-être qu'à la mi-2025 ou à la fin 2025. Genre peut-être que un an après. Oui, je posterai peut-être que des vidéos que un an. Bah oui, mais bon, je vais dire, voilà, hein, je peux pas. Alors après, je peux faire des vidéos exclusivement pour ça. Mais non, pas comme les épreuves et les défis. Là, non, non, pas là pour le coup, je peux pas faire ça. Parce que là, les vieux balades, déjà, c'est assez compliqué comme ça. Donc surtout que si jamais je fais ça, je vais être paumé, donc je peux pas. Non, là, vraiment, je peux pas, je suis désolé, mais là, je peux vraiment pas. C'est pas comme les épreuves et les défis, là c'est pas une question de je dois rattraper mon retard, hein. C'est une question de ça va sortir quand ça va sortir, pour le coup là. Voilà, mais c'est pas grave, hein. De toute façon je liverai, je ferai de toute façon les courses, sur, voilà, les, s'il y a des nouvelles, la playlist Manin Japan volume 2, elle va être, la playlist Manin Japan volume 2, elle va être sur la nouvelle extension. Donc du coup, à ce moment-là, il y aura des vidéos balades. Hein. Donc voilà. Et voilà, il y aura une petite, voilà, il y aura des quêtes photos, Manin Japan volume 2. Voilà, il y aura quelques petits trucs que je ferai sur la nouvelle extension en rapport avec ça. Oui, bah oui, forcément. Voilà, donc le drapeau américain, il est juste là. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu a validé. Maintenant, on se met devant. Voilà. Bah, j'ai pris cette voiture parce qu'elle est super, parce qu'elle est super belle. Elle est trop belle cette Ford. Donc là, faut mettre l'après-midi. Voilà. Donc là, théoriquement, si on fait ça, hop, on appuie sur X. Et voilà, ma photo est validée. Donc c'est pareil, hein, l'avantage, c'est que vous voyez, ça me permet de gagner de l'XP hein, à chaque fois.
Donc ça c'est un avantage, hein, parce qu'à chaque fois vous gagnez énormément d'XP, à chaque fois, pas énormément, énormément, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Donc la prochaine fois, on se retrouvera pour se faire une quête photo. On se fera du coup à Forge Stories 911 Legacy. Pour se faire du coup silo en arc-en-ciel. Photographier n'importe quel véhicule Street Tier 2 devant le silo Smiley arc-en-ciel situé près du phare du port de Barbers Point à Kala et Loa. Donc on se retrouvera, je vais vous dire qu'on se retrouvera la prochaine fois. On se retrouvera le dimanche 30 juin. C'était sous les 100 trophées.